Jusqu'à quand l'on nous restait ici, Dikachi. Hein? Écoute, l'endroit s'y est dangereux. Améti. papa t'a demandé de me protéger. Et je sais qu'étant mon frère, tu peux le faire. C'est aussi simple que ça. Écoute, cet endroit n'est pas sécurisé. Ok? Ouais, je ne permettrai aucun mal de t'arriver. Ok, considérons-le sous cet angle. Et si la personne que nous attendons ne venait plus, je suggère qu'on retourne à la maison et revienne demain. Améchi, j'insiste que nous restions. Arrête de te plaindre. N'essaie pas de me dissuader, s'il te plaît, je t'en prie. Et d'ailleurs, si nous rentrons au palais, qu'allons-nous faire là-bas Nous avons un toit sur nos têtes. Ah. Un abri pour nous protéger et, et, et nous défendre. Je sais aussi que ceci ne plaira pas au père parce qu'il ne voudrait pas qu'un mal t'arrive. Euh, écoute, Améti, j'insiste toujours que nous restions. Arrête de te plaindre. D'ailleurs, quand tu parles à la recherche de ta femme là, de Anotia, je ne me plains pas. Alors, tu devrais en faire autant, OK? Nous restons. Point final. Attends. Qui es-tu Qui es-tu Montre-toi. Nous n'avons pas peur de toi. Montre ton visage. Tu veux menacer ma vie et celle de mon frère Montre ton amitié, visage. Amitié, Je dis, montre-toi. Montre-toi. Montre Qui que tu sois je dis montre-toi. Amichi, peux-tu me dire exactement ce qui s'est passé avec ton frère Et il a eu de graves blessures sur son corps. Et toi, tu n'as même simple égratignure sur toi. Que s'est-il vraiment passé Père, tu aurais dû poser à Dikachi la même question. Ou plutôt, envoyer tes gardes pour faire ça, si tu veux assurer la sécurité de sa vie. Pourquoi c'est moi que vous clé? Comment tu peux oser tonner sur ton père, Amati As-tu perdu tes sens Non, mère, ce n'est pas le cas. Mais il se peut que je perde la tête si toi et le père n'arrêtez pas cette folie selon laquelle je suis en charge de la vie de Dikachi c'est le devoir des gardes et non le mien. Je suis le prince héritier de ce royaume et devenir son garde ne fait pas partie de mes devoirs. Amichi. Je vois. Tu deviens ce que tu pensais être. Mais ce que tu n'es peut-être pas. Même le fait que tu te vois être le prince héritier L'héritier présomptif, il faut savoir que ce n'est pas garanti. Il n'est pas garanti avec les dieux que tu seras roi. Comment oses-tu Quelle effronterie Comment oses-tu me parler ainsi, même au sein de mon palais Votre Majesté, le peut être le plus jeune, ouais. Mais ça ne change pas le fait qu'il est un homme et qu'il doit être capable de se battre pour lui-même. Ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois asservi pour mon petit frère. C'est la tienne. Et je refuse d'être misérable dans la maison de mon père. C'est certain, amitié que tu as porté des ailes. Mais écoute, je te le promets, je vais te les couper. Je vais te les couper si tu continues à t'adresser à moi de cette manière stupide. Est-ce que tu te rends compte du moins ce que tu te tiens devant le roi de ce royaume Père, je sais qu'il est de mon devoir d'orienter Dikachi en tant que son grand frère. Mais devenir son garde personnel, je ne le serai pas. Je suis un homme de ce royaume. Et je connais la tradition dans laquelle nous vivons autant que toi. Améti, c'est évident que tu es devenu une mouche têtue qui se jette sur la nourriture des poulets. Ta caprice a pris de l'ampleur, de telle emprise qu'on ne peut plus te l'enlever. Je te le promets. Elle sera battue et nettoyée au sein de toi. Tu dois apprendre une leçon. Comme tu le souhaites, Père. Qui suis-je Qui suis-je pour parler quand tu as décrété Je veux dire, qu'est-ce que je connais Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Amati Le mien pour toi serait de désister à tout esprit maléfique qui cherche à te posséder. Libère-toi de toutes ces frustrations maintenant même. Parce que tu n'as rien à gagner dans cette confrontation. Si j'étais à ta place, Amachi, si j'étais à ta place, je m'ingénuerais devant le roi pour demander sa clémence. Lolo d'Adiorama. Lolo d'Adiorama. Je ne ferai rien de tel. Je préfère mourir. Ouais, je préfère mourir que d'être discrédité à nouveau. Je n'ai rien fait de mal à vous deux. Alors, je ne présenterai pas d'excuses pour n'avoir rien fait de mal. Alors, considère-toi comme un prince mort. Considère-toi comme un prince mort, Ameji. Garde. Maintenant, écoute. Amène-le et enferme-le. Tu n'en as pas besoin, père. Je peux, confortablement, m'enfermer moi-même dans ta prison royale. J'ai pas besoin de tes gardes pour trouver mon chemin autour du palais de mon père. Est-ce que tu l'écoutes? As-tu une fois bien pensé avec ta tête? Non. Oh bien. Laisse-moi te dire, ne cherche pas à me défier. Ne cherche pas à me défier. Sinon, tu vas regretter. Garde. Oui, ma oui, majesté. majesté. Assurez-vous d'attacher. Ses pieds et ses mains. Tous ensemble. Enfermez-le là-bas pour trois jours. Sans manger, sans boire. Vous m'avez bien attendu? Oui, et assurez-vous de l'avoir donné 30 coups du bâton royal. Est-ce que vous m'avez attendu? Oui, Majesté. Est-ce que vous m'avez attendu? Oui, Maintenant, allez-y. Oui, allez, y allez, allons y Quelle insolence! Mon propre fils. As-tu vu ça? As-tu vu ça? Omena Genania. As-tu vu la raison pour laquelle j'ai souvent des problèmes avec ton fils là? Hein? Il a quitté ici seul, les dieux savent où il est allé. Jusqu'à si tard, 7 heures tardives. Il est introuvable dans ce palais. Cet idiot. Patan. OK. Hein? Pourquoi tu te laisses emporter Laisse-moi exprimer ma colère. Pour l'amour de Dieu. Tu n'es pas dans ses habitudes. C'est pour ça que je suis inquiète. Je crains que quelque chose de mal ne lui arrive. Nous ne savons même pas là où il y a des cachets. Et où m'avez-vous cherché pour ne pas me trouver Votre Dekachi? c'est quoi le problème euh. Sais-tu là où serait ton frère puisqu'il n'est pas ici au palais Amethi. En tout cas, je ne sais pas où il est. Améchi doit être quelque part là, au village. Je ne sais pas. Mais aussi, vous savez que nous ne sommes pas souvent ensemble. Il doit être quelque part là. Hey. Vraiment, c'est terrible. Hein? Améchi. Mon fils. Améchi. Es-tu de retour Améchi, reviens ici. Oh Père, tu me demandes. Oui, je le fais. Père, je suis fatigué, je me reposais Ou bien est-il si important? Amiti, maintenant écoute. Tu ne peux pas épouser cette femme d'un Donc, dire aux gens, ou à qui que ce soit, quelle est ta femme, c'est une erreur. Parce que ça ne pourra jamais leur faire du bien. Laisse-moi te demander, Amiti, sais-tu vraiment ce que tu fais Ou tu es en train de perdre la tête Père, ce n'est pas à toi de décider. C'est pratiquement hors de ta juridiction. Mets-toi à l'écart. Je suis toujours le roi de Adasia. Et je ne vais jamais, jamais permettre à aucun de mes sujets d'aller épouser dans ce royaume ennemi. Jamais. <laughs> Regarde-toi, Père. Pourquoi ne pas me laisser tranquille et te focaliser sur la direction des affaires de ton royaume qui bientôt sera mien Ouais, je n'ai parlé à personne de mon mariage avec la femme de ma vie parce que je sais que tu ne vas pas nous tenir. Mais je le ferai quand je deviendrai roi. Maintenant, écoute, Amechi. J'ai déclaré à Miotcha un royaume ennemi de Adaziani. Aucun de mes sujets n'épousera de là. Même si j'ai décidé de revoir ma décision aujourd'hui. Tu n'épouseras jamais cette femme. Parce qu'elle est une roturière. Je ne peux pas te laisser épouser une roturière. Maintenant, écoute-moi, père. Ougoma n'était pas née comme un des mortels. Elle était née dans une famille noble. Laquelle tu avais prononcé traître et exterminée, Mais elle a essayé de s'échapper. Et tu veux toujours la tuer, père? Écoute, je ne comprends pas de quoi tu parles. J'ai personnellement pris ma décision. Que personne dans la famille de Bélébé me défie. C'est ma décision personnelle. Et tu étais fier de toi-même? Oui, bien sûr. Bien, elle a caché son identité pendant longtemps. Mais pas plus. Parce qu'elle est maintenant ma femme et elle porte mon enfant. Si tu le fais de mal, je te donnerai de la guerre. Moi, ouais, je pourrais avoir négligé tout ce que tu m'as fait de par le passé. Mais si tu essaies de le faire encore de mal, je parlerai. Prince Améchi, la guerre, je suis prêt à l'avoir de toi. Je suis prêt pour la guerre. Je te remercie d'avoir fait cette révélation. Oh Tu la caches De moi Maintenant, le secret est dehors. T'inquiète pas, tu verras ce qui va se passer. Oui, votre majesté. Tu verras Tu verras Bêtise Je ne suis jamais su que mon propre prince de ce royaume est allé de l'avant pour la cacher. La cacher Maintenant, le secret est dehors. Elle doit mourir. Mère, qu'est-ce qui se passe Je me souviens d'avoir vu un Mechi et Papa en train de se quereller aujourd'hui ce matin. J'espère que ça ne te dérange pas. Hein? <laughs> Parce que quand ils auront fini de crier et de lever leur ton, quand ils seront fatigués, ils vont descendre. En ce qui me concerne, moi, dit ça m'est égal. Mmh. Ton père et ton frère sont devenus maintenant des ennemis. Cela ne t'intéresse même pas. Je ne veux pas de l'abomination qui se passe dans ce palais. Comment un père peut devenir ennemi de son fils Écoute maman, ennemi ou pas ennemi, ça ne me concerne pas. Et pour moi, tel que je le dis, ça m'est égal. Comment tu peux être aussi méchant, Dikashi N'étais-je pas entendu dire Tu t'entends bien maintenant avec ton frère Hein Hein S'entendre bien Avec ce bâtard malheureux hum. Oh J'ai tous mes plans déjà bien arrangés. Je sais qu'il tombera dans mon piège. Et quand j'aurai fini. Quand j'aurai. Améti Dikashi hum. Mère, Améti m'a donné des options. Il pense que je n'ai pas de choix. Oh. Mais il ne sait pas les choix que j'ai fait. À Métis quand j'aurai fini avec lui. Oh. Tekashi. Hey. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce palais? As-tu découvert le secret? Oh. Mon Dieu. Mère. Tu es encore là? À te plaindre. Laisse à Dieu ce qui leur revienne. Ne transporte pas leurs so... D'ailleurs, je m'en vais. Dikashi, je vais à aller? une réunion. Je vais à une réunion. Reviens ici. Oh mon Dieu. Hmm. Hmm. Qu'est-ce que c'est ça encore Oh, Obi, j'espère que tu vas bien partout où tu es. Que les dieux continuent à te garder pour moi. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans ce royaume. Et je commence même à croire avec assurance qu'une grande calamité va nous tomber dessus. Et en plus, je, je n'ai pas envie que quoi que ce soit me tombe là sur ma tête. Je vous le dis les gars, je suis totalement prêt de m'autodéfendre. Sans plaisanter. Le simple fait que le prince Amethi soit en conflit avec le prince Dikati est une vraie abomination. Es-tu sérieux et si les dieux décidaient de faire tomber leur jugement sur Domi, quel sera notre sort <laughs> Mon ami, écoute, hein je ne sais même pas d'imaginer ce qu'on va devenir si les dieux décident de parler oh, maintenant. Là, tu vas là. la fermer, oui. Oui, sérieusement, en tout cas pour moi, c'est mieux qu'il reste silencieux, parce que je ne suis pas prêt à jurer. Pas du tout. Je peux voir que tout le monde dans ce palais a perdu ses sens, y compris vous. C'est clair que vous êtes devenus fous. Fous que vous êtes, vous bande des idiots payés pour garder le palais et la famille royale. Vous avez le courage, la témérité de commérer à mon sujet. Moi, le prince Dikati, juste dans le palais de mon père, <laughs> je me moque de vous. Pas de problème, continuez, continuez. Je me chargerai de tout un chacun de vous. Je me chargerai de vous. <laughs> je me chargerai de vous. Quelle bêtise! N'importe quoi! Vous voyez ça? Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Euh, tu me demandes? Je suis sûr que le prince va assurément nous accuser tous pour ce qui vient de se passer ici. Hey! Ah! Waouh! Si tu es ici pour parler de ton fils. Là. Je ne suis pas intéressé. Je suis là pour satisfaire ma curiosité, Sa Majesté. C'est quoi cette histoire que tu racontes à Dikachi As-tu déjà oublié notre convention Nous nous sommes convenus de ne rien mentionner au sujet de la naissance de deux princes. Madame, c'est de cette manière que tu as décidé Que tu as choisi de devenir folle Hein Je ne comprends pas de quoi tu parles. Dekachi se montre opposant à son frère. Et de ce fait, il ne cesse de nous manipuler. Certainement, il en sait quelque chose. Je me demande comment il est arrivé à avoir ces informations. C'est ce que je ne comprends pas. Madame, je t'aurais conseillé d'aller dans ta chambre et reposer ta tête. Va reposer ta tête parce que tu l'as complètement perdue. Qu dit pourrait dire n'importe quoi. N'importe quelle bêtise autant qu'il veut. Et ce que tu sais, qu'il fait. Alors pourquoi réagir Pourquoi Pourquoi réagir à ça Je sais exactement ce que j'ai entendu. Décâché en sait quelque chose. Mais ce n'est certainement pas de moi. C'est de toi. Madame, n'es-tu pas une mère parfaite qui peut être le rêve de ton fils Tu ne l'es pas Tu faisais des efforts frénétiques pour voir que ton fils irrespectueux est libéré. Mais je te l'ai dit, ça c'est impossible. Impossible. N'avons-nous pas entendu que ces jours-ci arrivent Mais pourquoi je... Des mauvais ressentiments dans ce sens C'est parce que ta tête et ton intelligence n'ont aucune qu connexion, quelle qu'elle soit. Oui, elles n'ont aucune connexion. Tu sais très bien que je n'aurais pas pu dire quelque chose concernant Ekati. Parce que... Je ne veux pas aucun drame ou quelque chose du genre sur ma tête. Hum. On aura tout vu dans ces mondes. Uh -uh. Qu'est-ce qu'il y a Vous pouvez imaginer que notre reine et le roi se sont disputés aujourd'hui. J'ai suivi leur discussion jusqu'à la fin. C'était très drôle. Ah uh ah -uh. drôle? Oui. De quoi parles-tu Laisse-moi te dire, ma chère. Il ne les deviendra pas. Les dieux de notre terre sont vivants et ils vont visiter même une personne. De quoi parlais-tu Tu as quoi Mes même chérie, c'est le dieu nous sauverons dans ce royaume. Hé hey. hmm. Et ce n'est pas seulement ça l'histoire en question qui dérange là-bas. Oh? Raconte, raconte. J'ai appris, euh, c'était l'autre côté là-bas, que le prince d'Ikachi sera couronné comme le futur roi par le roi lui-même et les anciens. Hey. Mais c'est le prince Améchiki, qui est le fils aîné de la famille royale. Exactement Aussi, les dieux ont approuvé ses sacrifices pour Bam hériter le trône de son père après lui. C'est pourquoi il est devenu le prince couronné. Je suis d'accord avec vous. C'est le prince Améchiki qui a les droits et il est la personne la mieux placée pour diriger ce royaume. Oui, oh. Exactement Quant à Ikachi, il ne sera pas en mesure de diriger. Et jamais Les dieux vont ne pas vont pas le faire pas. Pas, pas du jamais. tout Bonjour mon prince. prince, salut mon prince. <laughs> Contente de vous voir mon prince, mon C'est prince. <laughs> une cause, cause de toi. non savoir Tu viens de mettre le mouchoir <laughs> dans le trou. Mais c'est quoi ça Tu restes jamais dans le yeux. Est-ce à dire que le roi nous cache quelque chose que nous ignorons? Comment est-ce que Zéboubé voudrait que Dikati soit couronné roi quand l'héritier légitime est en vie et connu en tant que le prince héritier? Non. Il y a anguille sous roche. Il doit y avoir une clarification. S'il te plaît. S'il te plaît, non. Apparemment, tu n'es pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi n'aurais-je pas l'air inquiet, déprimé? Rien ne va dans le palais, et tous les doigts sont pointés vers moi. Dika, tu pas de se battre contre moi. Je comprends. Sincèrement, je te comprends. Ainsi va la vie. Nous n'avons pas de choix. Tout ce dont on a besoin maintenant, c'est la volonté des dieux. Quel Dieu. Ceux-là qui se sont-ils depuis que tout a commencé dans le palais? Oh, oui. Ils parleront en leur temps. Est-ce que c'est après ma mort? Pas du tout. Je dis qu'on doit attendre la volonté de Dieu. Obi. Oh, oui. S'il te plaît, prends courage. Je t'en prie, ne fais pas ça. S'il te plaît. Les dieux de nos ancêtres. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? À l'allure où vont les choses, je suis en train de perdre le trône. Mon père est contre moi. Même mon petit frère, Dikachi. Il me faut de la sagesse. S'il vous plaît, donnez-moi de la sagesse pour vaincre. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Chut. Qui êtes-vous? N'essayez êtes même pas de gémir ou de crier. Qui parce que si tu essayes, tu perdras ta okay. vie. Et je t'éclaire. Okay. <laughs> que Vous êtes prêt à mourir. Parce Amici. que si quelqu'un s'approche de moi, sa stupide tête sera par terre. Mon fils, s'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Sais-tu ce que tu es en train de faire? Tu soulèves la machette sur ton propre père, le roi du royaume d'Adazini. Mon fils, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que tu comprennes que je suis l'héritier au trône et le prochain roi de ce grand royaume. Je ne te donnerai plus l'opportunité de m'insulter et de m'utiliser dans ce palais. Mon fils, je suis désolé. Ne lève pas la main contre ta famille, s'il te plaît. S'il te plaît. De quelle famille morte parles-tu? Cette famille est morte. Ouais. Vous m'avez tous causé des douleurs. Vous m'avez tous causé d'amertume. Vous m'avez tous fait passer des nuits blanches. Vous méritez la mort. Vous méritez tous la mort. Commencez par moi. Mon fils. Vous ne méritez pas tous ça. la mort. Sa majesté. Nous devons trouver une solution à ces problèmes. Et s'il persécutait Dikachi, son frère, à la mort Qu'il n'ose pas faire une chose pareille. Amiti ne peut jamais faire une chose pareille. Non. S'il soulève un doigt sur Edekati, alors il verra une autre face de moi. Je suis toujours le roi d'Adaziani. Et personne ne me défie. Rien. Rien. Rien ne se passera. Amiti ne fera rien. Ugoma. Salutations. Salutations mes demoiselles. S'il vous plaît, je cherche une fille au nom d'Ugoma. Ugoma. Quel Ougoma s'il vous plaît Elle est noire et élancée. Tout ça pourquoi euh, Y a-t-il un problème il n'y a pas de problème du tout. Moi et le prince la cherchons depuis longtemps, mais elle demeure introuvable. Il euh, y a quelque chose. Ça fait, au fait beaucoup de jours qu'on la, la cherche, cherche. aussi. Oui. On ne sait pas où elle se trouve. On ne sait pas où si elle est partie. Ah. Seul le Dieu savent où elle se trouve. Vraiment. Ok, merci. D'accord, merci. Je continue à la chercher. Bye. Ougoma J'espère qu'elle va bien. Ah, espérons, hein, vraiment. Ougoma Papa <laughs> Mon fils. Ah, papa. J'espère que tes pièges n'ont pas attrapé toi-même. Non, papa. Où est-ce que tu as cueilli ce papa? -là? Ah, c'est pas facile, papa. <rire> <rire> euh, papa, papa, je voulais qu'on parle un peu. Ça concerne ce que maman m'avait dit. Franchement, papa, on doit trouver une solution. Oui, parce que là, je, je, je commence à m'inquiéter. Je m'inquiète énormément. Tu dois faire quelque chose, papa. Avant que ces deux princes fassent du n'importe quoi avec nous. Tu dois vraiment réagir. Mon fils, merci beaucoup. Tu as prouvé que tu es un homme, juste comme ton père. <laughs> Ce que l'homme voit et qui entre dans sa tête forme sa personnalité. Le nom de cette communauté est ton père. Je t'avais raconté une histoire concernant nos ancêtres. Cette histoire devrait te rendre fort et courageux. Notre premier ancêtre avait avalé le cœur d'un éléphant. Je pense que je t'avais dit ça. Et mon père, mon père biologique, avait avalé le cœur d'un lion. C'est le même cœur que ton père a aussi avalé. Maintenant, dès que tu atteins l'âge de 30 ans, je dois m'assurer que tu avales le cœur d'un chien, afin que personne ne te fasse peur. Ton père s'appelle un katar. Ils ne peuvent rien me faire. Je ne peux pas quitter le palais. Malgré la guerre entre, entre les princes, rien ne va arriver à ton père. Papa, je sais. Oui, je sais tout ce que tu dis là. Mais cela n'empêche que tu fasses quelque chose. Oui, je sais. Mais tu dois toujours faire quelque chose. Je m'inquiète beaucoup. Zoé, mais Agniézoé, comme je l'ai dit, tu n'as rien à t'inquiéter. Rien ne va arriver à ton père. Hein? Ok, papa. Rien ne va arriver à ton père. D'accord. Hein? Ok, papa. Ameti, j'ai appris que les dieux t'ont choisi toi pour être roi. Je m'en moque. Je m'en moque. J'espère que la bataille va continuer. Je l'espère juste. Dikachi, si tu mets encore ta main sur elle, je te décapiterai. Et voyez qui parle. Améthy, les trônes m'appartient. Je ne peux pas te permettre de venir les voler. Ça m'appartient. Et à moi seul. Alors sois prêt à mourir. Dikachi. Quand bien même je te prends toujours, toi, cet animal stupide et sans respect en tant que mon frère, je ne vais plus accepter des bêtises de ta part. Maintenant, hors de ma vie, on dit Dikachi. Laisse-moi. Et toi, Améthyste On verra. On verra. Hmm. Quitte là. Oh non. Votre majesté. Ichiobu, votre majesté. Je vous salue. Que me vaut l'honneur de cette visite inattendue de votre part euh, Votre Majesté, nous ne sommes pas ici pour parler de notre joie à vous voir euh, assis sur le trône, parce que je le sais que très très bientôt, vous parlerez de cela. Nous sommes ici pour vous dire que toutes vos mauvaises actions en sont vraiment de trop. Ichiobu, tu te rends compte que tu es assis devant le roi Tadasiani. Effectivement. Et lui parler de cette façon Oui, et alors Hein Hein Et alors quoi Votre Majesté, ce que vous faites est une abomination devant les dieux. Pourquoi par la haine ne voulez-vous pas permettre la succession sur le trône dans notre royaume sans que qui que ce soit n'en dise quoi que ce soit Pourquoi Oh non pourquoi tu es majesté. venu ici avec lui Non, 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 je veux savoir, est-ce que tu es venu ici avec Ichiobu Maintenant écoute, un mot de plus de ta bouche. Ici. Un mot de plus venant de toi. Je vais couper ta langue. La grille ici, devant toi. Te la donner à manger. Comment oses-tu proférer ce blasphème devant le roi d'Adasiani es-tu en train de perdre la tête Es-tu fou Que les dieux te maudissent. Les dieux ne me maudiront jamais. Même s'ils le pouvaient, je ne serai en tout cas pas le seul. C'est assez. Ichi e en tant qu'un traditionnel, quel que soit ce que le roi a fait, tu n'as pas le droit de passer un jugement. Ono Unkata, n'est-ce pas toi qui parlais hier comme si tu parlais à un public, en disant que tu pouvais faire face au roi et lui parler de toutes ses mauvaises actions et ce devant lui Tu n'es qu'un lâche, je confirme. Ce que le roi a fait est une abomination. Si je ne parle pas selon la vérité, invitez le peuple. Je dis ceci à cause de, de mes. Je veux que vous m'écoutiez. Et à la fin, vous allez me dire ce que vous auriez fait si vous êtes à ma place. Prince Dekati et le prince héritier ont fait une expédition. Ensemble. Et le prince héritier est revenu ici. Saint et sauf. Mais Dikati est revenu ici. Avec tout son corps rempli de blessures. À l'heure où je vous parle, en ce moment, il est vivant. Votre Majesté. Oui. Pourquoi ne prenez-vous pas cela comme un message venant des dieux D'élever le prince couronné à son rang. Pourquoi ne faites-vous pas cela pourquoi traitez-vous le prince couronné avec tant de mépris Pourquoi Vous ne devez pas faire ça en aucun cas. Vous n'avez pas le droit. Le roi est en train de nous dire exactement pourquoi il a agi ainsi. Alors je propose que tu gardes ton calme. Mes anciens. Votre Majesté. Nous connaissons tous les traditions et la culture de notre terre. Que... C'est punissable pour tout aîné. De laisser son frère cadet dans la détresse. Et c'est exactement ce qui s'est arrivé. Votre Majesté, je pense que nous disons la même chose. Ce n'est pas le devoir du prince couronné de veiller sur son petit frère. Parce qu'il n'est pas une personne ordinaire, Dadasiano. Il est le roi en attente. Laissez-moi vous dire, les anciens. Écoutez, il, oui. il n'y a personne, personne dans mon royaume qui y raconte les traditions et la culture de notre terre. Personne. Ces coutumes et traditions étaient ici avant même que nos ancêtres ne soient nés. Ils respectaient nos traditions. Ils obéissaient nos coutumes. Ça ne peut jamais être autrement. Autrement, sous mon règne. Jamais. Et c'est ça mon verdict. Votre Majesté, je pense que nous pouvons maintenant être d'accord sur un seul et même point. Vous avez déjà vous aussi en frein les coutumes ainsi que les traditions de cette terre en passant un jugement sur le prince couronné, sans pour autant en avoir informé tous les anciens. Je te préviens encore. Je te préviens encore d'avoir. Un total contrôle de ta langue. Sinon, je vais te la couper. Adasiani n'est pas du tout une forteresse, comme vous le dites, avec vous en tant que roi. Alors de quoi parlons-nous Dites-moi un peu. Votre Majesté, je suis désolé de faire usage de cet adage. Les proverbes sont faits pour les imbéciles pour apprendre. La seule solution qui va mettre fin à ce malentendu, c'est de libérer le prince héritier. Parce que si ça arrivait aux oreilles du peuple, ça créerait un grand scandale. Ce que nous ne voulons pas dans notre royaume. Prince Amiti sera libéré à 7h demain. Et ça, c'est mon verdict irrévocable. Puisse la colère de Dieu être irrévocable une fois qu'elle vous tombera dessus. Je pense que je ne peux plus faire partie de cette réunion de méchants. Je crois que je vais partir. Tu ferais mieux de partir, parce que tu n'es qu'un traite. Tu es un traite. Mes enfants. Maman hmm. J'avais essayé de discuter avec votre père, mais il refuse catégoriquement de m'écouter. Tel que les choses se passent ces derniers temps, ça me laisse vraiment sans voix. Vraiment. Mais maman, pourquoi est-ce que papa ne veut pas t'écouter Ma fille, j'en sais rien. Ok, maman, ne t'inquiète pas, je vais parler avec papa à propos de ça. Je hein? crois qu'il va m'écouter. Vraiment Je parlerai avec lui, ne t'inquiète même pas. Maman. Mon fils, oui, je maman. suis vraiment fière de toi. Merci. Maman, je dois aller à la chasse maintenant. D'accord. Ok. Ouais, prends soin de toi. Sois prudent, mon fils. Je le serai, maman. Ma fille, va vérifier les histoires dans la okay, cuisine. Ok, maman. Hein? Hey. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari? Pourquoi refuse-t-il de m'écouter? Hein? Mais c'est quoi son problème? Mon mari. Je ne sais vraiment pas ce que tu ressens, mais s'il te plaît. J'avais entendu les gens mentionner ton nom. Ono, oh Ono. Oh oh no. Les conseils que je te donnerai. Je t'en prie, reste loin de ces palais. Fais-les pour ta vie. Makan Yoki. Telles que les choses se présentent maintenant, je vois la gueule. Oui. J'ai pas du tout envie de rester veuve. Sois prudent. <laughs> hey, je comprends ton inquiétude. Écoute, c'est seul le mari qui ne sait pas si la sauce de sa femme est fermentée. Je sais qu'il y a de la guerre dans le palais. Et il y a des calamités dans notre royaume-ci. Mais il n'est pas possible pour moi de quitter le palais. Je suis le honneur de ce royaume. Rappelle-toi que le nom de ton mari, c'est Nkata. Nkata que nul ne peut porter. Quelle que soit la quantité d'eau que l'on verse dans le panier, ça va couler. Hein? N'aie pas peur, ma femme. Rien ne va arriver à ton mari. Non. Même si, même si il traverse la rivière, n'aie pas peur. Je savais avant qu'il n'ait fait le pas. Naï, essaies-tu de dire que rien ne va t'arriver N'aie pas peur. C'est bon si tu le dis. Aie confiance en ton mari. Viens, mon ami. Ne m'as-tu pas ou ne me vois-tu pas arriver Hein Donc, c'est arrivé jusqu'à ce point Bien, Nkanko Ono, je peux voir que la folie a eu à parcourir toute la lignée de ta famille. Où est-ce écrit dans quelque constitution que ce soit qu'un très grand ancien, où c'est une obligation pour des anciens de toujours se saluer euh, entre eux Où est-ce écrit dans notre constitution Peux-tu me le dire Donc, Écoute, je n'ai pas fini. Écoute-moi très bien. Quand moi je parle, tu te tais. Occupe-toi bien de tes affaires. Mets-toi de ce qui te regarde. Donc, tu as perdu la vue. Tu ne reconnais plus la hiérarchie. Qui t'a donné l'audace de me parler de cette manière Je te pose la question et hey, laisse-moi te corriger. Oh, D'accord. Ok, je ne te blâme pas. Je me blâme moi-même. T'ai-je déjà dit que j'avais déjà tué une seule vache Mon nom n'est pas au Mon nom est au bout. Pas au Oh regarde-toi, regarde-toi Je ne te blâme pas vraiment je me blâme moi-même. Si je m'étais occupé de mes affaires, comme tu l'as dit, je n'aurais pas reçu toutes ces insultes de ta part. Pas de problème. Mais écoute, regarde ta gauche, regarde ta droite avant d'avancer, avant que le dieu des ancêtres ne te frappe. Ça sera toi que les dieux de ces terres vont frapper, idiot. Au oh, beau ici, que les dieux de ces terres vont te frapper. pam. On se verra. Pas là-bas, nous, on va voir, on va voir, on va rien voir. Impeka. Impeka. Si je pouvais t'avoir avec un combat d'homme à homme, tu aurais un problème, idiot. Regardez-moi ces troubles oh. On n'est plus calme. Au brevier, au au je me demande même si c'est vraiment ton père ainsi que ta mère qui t'ont donné ces noms. Je ne comprends vraiment pas pourquoi -ce, que ce, ce, ce mec cherche toujours des voies et moyens pour m'insulter. Nalanda, nalanda, là, qu'il arrête de me chercher des problèmes. Icho Maduka, je te salue au nom des dieux de notre terre. Je te salue aussi, Odinaka, fils d'Amenike. Je peux voir que tu accompagnes notre prince quelque part. Va-tu te taire? Va-tu te taire, toi, ce sale imbécile hautement frustré? Que veux-tu dire par tu vois que tu vas quelque part avec notre prince? Qui est ton prince? Je t'interdis de m'appeler ton prince. Mon prince? Ichiyamadouka est un ancien dans notre village. Ignorez-vous les traditions de notre peuple S'il vous plaît, mon prince. Un peu du respect, s'il vous plaît. <laughs> Odinaka, je ne savais pas que tu ailles doué d'une si grande sagesse. Viens. Je dis viens. Et oh, ah, les dieux ah. de nos ancêtres. Hey, ah, mon prince. Votre Altesse. <laughs> Ça c'est un tabou. Veux-tu que je te coupe en morceaux maintenant? Ah, c'est ce preuve. que tu veux. Ah. disparaît ah, Je dis dis, dis disparais. Ah. Ah. Quelle est cette bêtise que tu viens de faire, Amati? Espérant que tout ce que j'entends ne soit pas vrai. Sinon, si. C'est quoi si c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer? Mère, tu as posé ta question. Alors, ce serait sage que tu attendes une réponse. Quand bien même je ne suis pas prêt pour te donner une réponse, parce que rien ne te concerne, absolument rien, dans ce que je fais avec mon garde. D'où sortent toutes ces choses, Amashi Comment tu peux battre ton garde de cette façon Qui est-ce qui t'a possédé <laughs> Je ne suis pas possédé. Je ne. C'est qu'un apprenant rapide. Ouais. Puisqu'il n'y a que des vipères dans le palais royal. Alors où est le problème Si je protège ce qui est mien. Quelle insolence Que se passe-t-il ici Garde Votre, Votre majesté. majesté. Venez. Prenez soin de ce cinglé. Approchez, Mourez! Hé. Hey. Amiti, qu'est-ce qui t'arrive Tu n'es que ces garçons, sa majesté. Ah qu'est-ce qui ne va pas avec toi Qu'est-ce qui t'arrive Votre majesté. Longue vie à vous. Longue vie à vous aussi. Laissez-moi aller droit au but. Pour le fait que le tabou qui fait rage entre Ichi et Maduka. Et le prince couronné et vraiment atteint le top de la jalousie. Ou je dirais plutôt que cela a atteint le sommet de, de, de la marmite pleine. Où tout le monde peut avoir de l'eau. C'est officiel. Tu as encore commencé. Oh, bébé, tu as encore commencé. Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu racontes Ce dont je suis en train de parler est que la marmite d'eau n'est plus assez profonde pour garder de secrets. Pour toujours. Oh oui. Mais si le trouble est devenu l'essence même de ton existence, on a où? Hum. Cela veut dire que tu auras des sérieux problèmes. Apais-toi, Etiegbu. Nous ne sommes pas là pour nous insulter. Nous sommes venus parler de notre royaume. Ogboefi. Oh, Ogboefi. Il n'a même pas pu. Euh... J'étais les secrets dans la rivière. Même pas. Il n'a pas gardé les secrets dans la rivière. Mais il l'avait caché tout au fond de la marmite d'eau. Oui, il a fait ça et en, 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 passant, en pensant que tout allait bien, juste parce que il avait réussi à creuser sa propre tombe. Au bois, Oh, boy, Arrête de me plaire, Contre oh, Arrête contrôle ta, ta langue. Contrôle oh, no. ta langue. Onohu. Oh, je t'avais prévenu et je te préviens encore. Respecte-toi. Arrête de me plaire, Qu'est-ce qui ne va pas avec toi S'il te plaît, apaise-toi et tu es au bout. Tu n'es pas le seul à avoir quelque chose à dire. Et toi qui as quelque chose à dire, dis-le. Dis-le. Dis-le que le prince couronné a levé sa machette contre son père, le Igwe ou que le, 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 le prince couronné a maltraité Iti et Maduka? Laissez-moi vous dire tous. Ce que métier le prince couronné, a fait était un tabou. Allô? Hey. Les anciens de notre terre. Igwe. En fait, je ne sais pas d'où Itiobu a reçu ces informations. Je, 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 je me demande. Je ne sais pas d'où il a entendu cette histoire qu'il nous raconte ici. Hey. Mais en fait, rien du genre ne s'est produit dans ce palais. Tu euh, vois? Mon fils, le prince héritier, ne m'a jamais menacé avec une machette. Concernant le sujet ditier et Maduka, en fait, à vrai dire, je ne dirai rien à propos de ça parce que je n'étais pas là-bas. Hey. 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 Et même vous? Oui, c'est ça la vérité. Donc, vous tous ici présents avez comploté contre moi pour me faire paraître comme un fou. <laughs> Bien sûr. Hey C'est ce que tu es. C'est ce, ce que ça montre. Les dieux <laughs> nous observent, Ne saviez-vous pas non plus que le grand prince se voit souvent avec une certaine fille venant d'Anotia Votre Majesté. Ah, je je, je, je n'en sais vraiment pas grand-chose. Est-ce que c'est vrai mais... Oui, je... je, je... C'est vrai ça au bout. Je n'en sais pas grand chose, mais le peu que je sais, c'est que les peuples d'Anyocha et le nôtre ne se voient jamais face à face. Les anciens de notre terre, c'est du mensonge. Merci. Ça veut dire quoi? Mon fils, le prince héritier, connaît l'histoire de notre relation avec Onyocha. Et tu vois? Et pas moyen qu'il s'aventure. Dans une quelconque relation avec mmh. ces cabales, ces imbéciles. Mon fils ne peut pas faire ça. Ah, D'où viennent ces rumeurs? Igwe, oui. êtes-vous en train de dire que je, je, je suis en train de mentir? Exactement. Moi, je suis au bout. Euh, ok, pas de problème. Améchi? Améchi? Améchi, tu n'es pas là? Améti, je suis venu pour te passer une information. Démissionne. Démissionne de la position du prince héritier de ce royaume. Horace, oh, tu as menti. Écoute, il n'y a rien que tu puisses faire. Ton père avait dirigé et c'est lui qui t'a mis sur ce trône. C'est exactement ce que tu vas faire, sinon il y aura de la guerre. Il y aura une guerre, tu dis Amichi, laisse-moi te dire le bras ne peut jamais être plus gros que la jambe. Ça ne peut jamais l'être. Je te donne trois jours. Trois jours pour que tu invites tous les anciens de ce royaume. Et leur dit en ta présence que tu n'es plus intéressé par ce trône. C'est un avertissement. Depuis quand tu es devenu le dieux? Est-ce que les dieux sont morts Et tu penses que tu peux prendre des décisions n'importe comment Regarde-toi, la guerre n'a même pas encore commencé et tu es déjà effrayé. Courant par ci par là. Amici, je n'ai pas peur de toi. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. <laughs> Ameji, tu es une malédiction. Je maudis le jour où je t'ai donné naissance. Même les dieux savent que tu es une malédiction. Je te donnerai la guerre. Quoi? Je dis, je te donnerai la guerre que tu ne pourras pas supporter. La guerre qui t'enverra en exil. Crois-moi. Je m'assierai sur ce trône. L'enfant qui s'amuse avec les seins de sa mère ne s'amuse pas avec les testicules de son père. Parole d'un homme sage. Toi, viens, 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 viens par ici. Amichi, je t'ai donné un devoir. Je veux savoir comment cela se passe. Je n'ai même pas pensé une minute au devoir que tu penses m'avoir donné. J'attends volontiers la réciprocité et je suis prêt à être corrigé. Qu'est-ce que ça va être, Ezebobé? <laughs> Améchi, je t'ai averti. Je t'ai averti de faire très très attention. Tu es en train de mordre le doigt qui t'a nourri. Mon père, j'aime la viande. Et il n'est pas nécessaire qu'elle soit cuite, comme tu le penses. Je ne veux pas seulement mordre le doigt qui me nourrit. Je veux le couper, le mastiquer et le digérer. Tu sais ce que ça veut dire Quoi <coughs> euh... Tu n'es pas juste un prince illégitime. Mais tu es aussi un prince maudit. Je ne peux pas m'asseoir sur ce trône et te permettre d'apporter de la calamité dans ce royaume. Jamais Dégage-toi devant moi. Dégage-toi Es-tu en train de dire que j'ai né en dehors de ce palais Dégage et ne me pose pas à le répéter. Amichi veut savoir la vérité. Un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Tu dois aussi savoir ce qu'il faut dire au chef et à tout le peuple. Puisque je crois qu'ils ne sont pas loin de connaître la vérité. Qui se soucie des anciens? Oublie les anciens. Je vais m'occuper des anciens moi-même. Quand le moment viendra, je vais m'occuper d'eux. Donc, laisse le sujet à moi. Les dieux ne nous pardonneront pas pour le mal que nous avons fait à notre fils, Sa Majesté. Si tu avais fait disparaître cette grossesse, comme je te l'ai dit, comme je t'ai conseillé, on ne serait pas dans ce pétrin. Tu n'as pas à me blâmer, hein? Osème. À quoi est-ce que tu t'attendais quand tu m'as forcé la main? Je m'attendais de toi de convaincre Ameti d'abandonner son ambition pour le trône. Et non continuer à marceler. Ah. Je ne le ferai pas. N'as-tu pas une conscience Ce que nous avons fait à notre fils est impardonnable. Laisse-moi t'avertir, laisse-moi te rappeler. Ameti ne peut jamais porter la couronne sacrée de ce grand royaume. De Adaziani. Il ne peut jamais. C'est contre les lois de ce royaume. Laisse-moi t'avertir. Les dieux de nos ancêtres vont l'éliminer. Dans ce cas, je te proposerai de le faire comprendre, Sa Majesté. Parce que si quelque chose de mal arrive à notre fils, nous serons tous envoyés dans la forêt interdite. Mensonge. Mensonge. Tu ne te connais pas, ma reine. Ça, c'est un mensonge. hey. Aye. Donc, c'est toi la personne qui s'est faufile hors du palais? Oh, mère, mais je n'ai pas faufilé hors du palais. Je suivais juste un métier et euh, ça n'a pas marché. Ferme-la, dégâche Je suis ta mère et non ta fille. Donc, tu nous mentais depuis tout ce temps? Ah, ah, ah. vous mentir comment? <laughs> Quel mensonge ai-je dit? Je vous avais juste dit que j'étais blessée. Je ne vous ai jamais dit que c'est un métier qui l'a fait. Je vous ai juste dit que j'étais blessée. Je ne dois pas être blâmée pour quelque chose que je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est papa et toi qui êtes méchants, et non moi. Dikachi, présente-toi devant ton père et dis-lui tout ce que tu viens de me dire ici et maintenant. Avec quelle bouche La mienne. <laughs> oui. Non, mère, tu te trompes. Maman, toi et moi savons bien que si je le faisais, papa me mettra aux arrêts pendant des mois et dira qu'on ne me donne ni à manger ni à boire. Je ne veux pas risquer ma vie, je ne veux pas mourir, je n'irai pas. Dikachi. Mère, ce que tu as fait à ton frère n'est pas du tout bien. Il est en train d'être puni juste à cause de toi. Hein? Il mérite pire que ça. Après tout, de quelle importance peut être un commis mortel, de, de Adaziani, en comparaison avec du sang royal? Du sang royal comme moi, de naissance noble Dicati. de ce royaume. Honoré par les dieux eux-mêmes, il est temps pour nous de nous dire des vérités en face. De quel côté es-tu? Je rentre d'où je viens. Dikachi, ne me donne pas le dos. Tranquille. Dikachi. Amachi, mon fils, je comprends ta peine. Je veux que tu saches que ce n'est pas de ta faute. Sache que ça n'a jamais été de ta faute. Hein? Tu restes mon fils. Biko. Je ne me suis jamais reproché une seule fois ce que toi et ton mari avez fait, mais je veux que tu saches très bien que toutes dettes vont être payées, quelle que soit leur nature. Dis pas ça. Tu es mon fils. C'est juste la tradition de notre terre. Qui nous a fait arriver là où nous sommes maintenant. Et le seul moyen pour restaurer la paix dans le palais c'est de me priver de mon droit d'aînesse? Le grand esprit d'Oji! Ta fille est ici! J'ai besoin de ton pouvoir! Oh. Je suis sur le point de partir à une mission très importante. Viens me fortifier ta fille. Je ne saurais le faire de moi-même. Je suis venu chez toi pour ton pouvoir. Viens me fortifier. Grand esprit, d'Oji Hum. Le roi et ses boubés n'ont pas tenu la promesse qu'il t'avait faite. Et dans ce cas, il doit mourir. Oh, qui ne kicana, pourquoi ça n'est rien? Kine kinikana, qui doit le détruire le rêve, le es un peu plus. Grand esprit d'Oji viens avec moi viens avec moi viens L'œil des dieux. Que s'est-il passé? Je pensais que tu es venu pour me livrer le message que j'étais passé. Je pensais que les dieux ont parlé. Je te l'ai dit, qu'il y a du feu sur la montagne. Il y a du feu qui arrive dans ce royaume en ce moment. Beaucoup de personnes ont commencé à voir des signes, des calamités qui vont nous frapper. Et je t'ai demandé de consulter les dieux. Alors, pourquoi rester debout là-bas au lieu de venir à l'intérieur Votre Majesté, pour votre information, je ne peux pas dire ce que les dieux ne m'ont pas dit. Les dieux n'ont pas parlé. Malgré tout ce qui se passe dans notre royaume. Oh non Je ne peux pas dire ce que les dieux ne m'ont pas dit. Voilà Les yeux des dieux tu, tu dois consulter les dieux. Ils, ils doivent vraiment nous parler, là. Notre royaume est dans le trouble. S'il te plaît, consulte les dieux. Ils doivent parler. Laisse-les nous parler. Votre Majesté, je suis le messager des dieux. Et je dois partir. Igwe. Avez-vous entendu ce que Ezemo a dit? En tout cas, c'est grave. Écoute-moi. Allez, ma belle, arrête de arrête. pleurer. Arrête. Laisse-moi pleurer. Arrête. Tes larmes ne feront rien. Je ne saurais pas supporter. Arrête. est moi je, je le sais, sais bien. Qu'est-ce que je vais encore faire? Qu'est-ce que je veux faire? L'homme que j'ai aimé est parti. Calme-toi, ma chère. Écoute, tes larmes ne le feront pas revenir. Ok, tu dois être forte. Si tu ne veux pas le faire, tu peux au moins le faire pour moi. Je t'ai promis d'être toujours là pour toi. Ok? Tu sais très bien que ça me fait mal. Où je vais je sais. le retrouver. Je le sais. Et de te calmer, tout ira bien. Le Dieu et notre terre savent tout. Tu comprends Ils vont s'occuper de ça. Ils le feront au bon moment. Je t'en prie, essaie de te calmer. Ça va aller. En tout cas, désolé, ma chérie. Ezeboumbe a malheureusement dépassé les limites. Et il doit ravaler cela. Écoute, Oguéfi, Ezeboubé est encore le roi d'Agaviane. Et il mérite le respect et la considération. Ça ne marche pas avec moi. Oh non, mon gars. Le roi a commis une atrocité qui était sur le point de nous causer malheur et calamité. Et tout ce que tu peux dire est que nous puissions les louer Je n'ai jamais dit une telle chose. Ah ah. Ce que je dis est que Ezeboubé est furieux maintenant. Et si nous ne faisons pas attention, il peut nous décapiter. Oui, ça sera ta propre tête que Ezebubé va trancher. Oh. Ezebubé ne peut pas et ne pourra jamais me couper cette tête-là. Quoi qu'il fasse, même s'il si est magicien, il ne pourra il jamais faut bien te le dire. dire Peut-être vous ne connaissez pas, pas Ezebubé très bien. Mais moi, je préserve ma tête. Je préserve la mienne. Hein Peut-être vous ne connaissez pas Ezebubé très bien. Que fera-t-il <laughs> <laughs> Et je ne peut pas couper ma tête, ce n'est pas possible. S'il doit couper une tête, c'est la tienne qu'il coupera. Tu as bien dit, mon frère. Oh, go Ah oui, c'est des beaux. J'ai encore commencé. Dans ma oh, propre maison. Parler. Hein Dans ma propre Même maison. Mais si je suis dans ta propre maison. Et alors Et alors Tu m'insultes dans ma propre tu maison. Tu vas te dire Calme. Oh, ma N'oublie pas, dans ma Quitte oh, ma maison. Quitte ta maison, pourquoi Ongouafi, quitte ma maison Quitte ma es qu maison Ne souffrez pas ta maison, je suis vous vous là Vous n'avez pas vous quereller Toi, là-bas, toi on est là Tu ah, non, non, pas, pas ça, on est où ou... On est où On est où, Mpama Bon, rien Mais chasse-moi Ma mère. Mamiri, mère. la déesse de ti. Ougoma. Mamiri, mon cœur saigne. L'homme que j'aime, l'homme à qui j'avais donné mon cœur, est en train de partir et je ne sais pas ce que je peux faire. S'il te plaît, te le s'il te plaît. Le trône revient maintenant à ta famille. Pars, merci. Pars, merci. Le peuple de Adaziani, le malheur s'abat sur nous. Le grand Hiroko est tombé. Zéboubé, le roi, est mort. Eh, hey, on nous qu'a dit bien? Le peuple de Adaziani, le malheur s'abat sur nous. Le grand Hiroko est tombé. Et Zéboubé, le roi, est mort. On retourne bien. C'est ceux les dieux qui peuvent sauver ce royaume de toutes ces calamités. De quel dieu es-tu en train de parler? Les mêmes dieux qui ont refusé de nous parler une seconde? De quel dieu est-ce que tu parles Pardonnez-moi en tout cas mes anciens, je suggère que, que nous consultions d'autres féticheurs pour résoudre ce grand problème qu'a notre royaume. Je vous prie, même si nous devons pour ça dépasser les limites géographiques de notre royaume pour chercher une solution pour ce dernier, faisons-le. S'il vous plaît. Oh, bout. Oh non. Je ne pense pas que ça vaut la peine d'aller chercher d'autres féticheurs. Je préfère que nous puissions attendre Ouduméje pour entendre ce que le Dieu dit Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire alors que les jours ne font qu'avancer. Et les dieux ont refusé de parler à travers Ouduméje. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Et regardez, tout aller en Qatar comme ça dans notre royaume. Qu'est-ce que tu dis là Les dieux ont refusé de parler à travers Ouduméje. De quoi parlez-vous Ichiobuyifi, c'est vrai, tu as raison. J'accepte ton idée. Puisque Odumedje dit mm -hmm. que les dieux sont silencieux. On ne peut pas laisser nos gens mourir comme ça. Exactement. On ne peut pas continuer de garder silence alors que les dieux ne veulent pas du tout parler. Nous devons faire quelque chose très vite. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais ce pas ne va pas être facile, oh. Ouais. Tu, vas, tu, tu, tu vas, très bien, toi. Bien. Tu vas bien. Tu vas vraiment très bien. Les choses n'étaient pas comme. Tu si vas vraiment très bien. Odomedje, c'est royaume et sur le point de se diviser. Au cas où tu ne le sais pas, Odomedje. Jusqu'à ce que tu comprennes. Que tu n'es plus qu'un simple mortel, mais un dieu. Mais si tu n'es plus aussi puissant que tu l'as toujours été, au cas où tu l'auras oublié, tes dieux t'ont déjà abandonné, tu dois t'ingénuer devant moi. Tu mens, la fille de la forêt maudite. Moi, le grand lion en personne, Odoumede, je ne peux m'incliner devant toi. Tu mens. Je peux voir que tu es très têtu. Ça, c'est le grand lion en personne. Tu ne peux pas m'intimider. Je sais que tu es têtu. Hum. <laughs> je vais te dire que je suis le lion en personne. Je suis... Automédien, le grand lion. Tiens. Toi, la fille de la forêt maudite. Donc tu as le courage de suivre le grand Odumedje en personne. Le lion en personne. <laughs> Odumedje, tu ne peux me détruire. Tu n'as pas du tout ce qu'il faut pour me mener en challenge. Mensonge. Et toi, pars. <laughs> Donc tu as le courage de tuer la fille Hein? Tiens oh Ton entêtement va te coûter cher. Maintenant, il est temps pour toi de mourir. Parfait. Toi tu as obtenu ce que tu méritais. <laughs> hum. Le de la forêt d'Oji. Merci. Merci pour m'avoir rendu fier. Hum. Fille de l'obscurité, où est-ce que tu vas tu as détruit pas mal de choses dans ces royaumes, mais aujourd'hui, je vais te montrer où se trouve ta vraie place. Toi, fille de l'esprit de la pureté, je n'ai rien avoir à, à faire avec toi. Tiens-toi hors de mon chemin. Mais si tu t'obstines, ton sort sera pire que celui d'Odoumedje. La lumière et l'obscurité n'ont rien en commun. Tu n'as rien à faire ici. Tu dois mourir. Meurs. Meurs. <laughs> mumasi <muches> panike deke kamasi panike deke be gulilu. N'est-ce pas le prêtre du Odumodje. Oh du Modjé Oh du, oh, du oh, no. Oh, no. Pourquoi est-ce que traîne Odumedia, oh, notre grand prêtre euh, Je suis confus. Pourquoi n'est-il pas ici Timon! Timon! Mes anciens! Mes anciens! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que je rentrais de la ferme, j'ai vu Odomodje, mort allongé au sol. Odomodje? Que les dieux nous épargnent! Que les dieux nous épargnent! Ce n'est pas possible. Tu veux dire qu'Odomodje, notre grand prêtre, est mort? Oui, mes anciens! Hey! Elle est aux ennemis. Hey, Ono, oh, tu vois ça maintenant? <laughs> Salutations aux habitants d'Adasian. Je suis Mamiri, la princesse de paix. Et j'ai apporté la bonne nouvelle à tous. Je sais que le roi d'Adazian ne plus. Et je sais aussi que le grand prince d'Adazian est mort. Le prince Ikachi, ici présent, en aucun cas il ne peut accéder au trône d'Adazian. Oui, dit Kachi. Tu ne peux pas t'asseoir au trône d'Adazian parce que tu as le sang de ton frère entre les mains. Hey. Hey. Seigneur <laughs> Pour hey. couronner les tout, aucun homme d'Adazian ne peut s'asseoir sur ce trône. Parce que si quelqu'un ose le faire, la calamité va frapper la terre d'Adazian. La calamité. Le trône va rester vide. Jusqu'à ce qu'Amechi mettra au monde son fils. Le fils d'Amechi. Comment oses-tu? Tu t'inquiètes à propos du fils d'Amechi dont je viens de parler? Le fils d'Amechi est sur le point de naître. Dès à présent, jusqu'à ce qu'Amechi va accoucher, le trône restera vide. Comment oses-tu te tenir devant moi et m'appeler tueur? Toi! Décâche. <rire> Décâche. <rire> Décâche. <rire> Quand on sait qu'on n'est pas fort, on ne peut pas défier quelqu'un. Eh oh! Dikachi! Prince! Eh oh! Dikachi! Dikachi. Les anciens, comme je venais de les dire, le trône doit rester vide jusqu'à la naissance du fils d'Améthyste. Mon espoir, Dikachi. Oh non! Dikachi est mort! Hey. Si. Oh non, hey. qu'allons-nous faire maintenant? Dis oh que non. Si. dis-moi qu'est-ce qui se passe, Décati? Décati, pourquoi tu pouvais faire ça, Décati? Décati, Décati. Música <laughs>